Chris from Philippines and welcome to my channel. Konnichiwa minasan, watashi no chaneru ni yokoso. Watashi wa Philippine Chris desu. Hi everyone, welcome back for another reaction video. And for today, I am watching Bonsu TV, the result of my French mother eating French food for the first time in Japan. This video was suggested by this viewer. Thank you so much for your suggestion. Dewa sasaku, hajime masho. Hi, domo, Bonsu TV na Manine to Mamandine desu. Atarashii namae. Konnichiwa. Jou no douga no tema wa desu ne, okaasan ni Nihon ni aru French ryori wo tabete moraitai desu. ちなみにフレンチ料理は日本のフレンチ料理とフランスのフレンチ料理って本当に違うから最後までぜひ違いを楽しんでください。French restaurant in Japan. Wow, beautiful. Ça fait 6 semaines que je n'ai pas mangé français. Si ce que j'ai compris est vrai, si on va vraiment dans un resto français, donc je sais pas où je vais tout avaler sans goûter, où je vais déguster. Ça s'appelle le pot-au-feu. Ah, le pot-au-feu, ah, c'est un plat français, ça. Beautiful restaurant. Wow. Il y a tous les couverts comme en France, tu vois. Alors, quand je suis arrivée dans le restaurant, j'ai tout de suite compris l'image que donne la France aux étrangers, c'est-à-dire le raffiné, le luxe, parce que le restaurant, il est très beau, mm-hmm. C'est très classe. Very classy. Mm-hmm. Mais alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que est-ce que nous, nos restaurants en France, ils sont comme ça? Ça dépend. Dans la plupart des restaurants en France, non, c'est pas comme ça. Mm-hmm. En fait, c'est comme ça dans des restaurants vraiment gastronomiques où le prix est assez conséquent. Il y a des couteaux et des fourchettes. Je ne sais même pas moi à quelle utilisation. Mais globalement, en fait, au Japon, ils ont l'image des restos français et de la nourriture française où c'est tout le temps dans des trucs de luxe avec je sais pas combien de cuillères. Oui, oui. Alors qu'en fait, en France, nous, globalement, quand on mange chez nous, on mange pas raffiné. Non. On mange avec une fourchette. Ça va me permettre, en fait, de comparer ici au Japon le type de restaurant que c'est. Parce que je m'imagine pas. Ça va pas être le steak frites qu'on mange en France, quoi. Donc, ça va vraiment être le restaurant gastronomique, je pense. Alors, j'ai le droit de choisir ou... Non, parce que je ne vais pas te voir les prix. Ah, je te dis juste les noms. Ah, ok, d'accord. Donc, on va avoir le repas du déjeuner, du coup, parce qu'ils font soir et midi, en fait, ici. D'accord. Je me demande ce qu'elle va me commander, ma fille. Tu peux choisir le plat principal. C'est soit du porc de la région d'ici. D'accord. Soit du poisson de la mer de Saka. Soit du bœuf bourguignon. Ouais. Moi, je pense qu'il vaut mieux partir sur le bœuf bourguignon. Ouais. Surtout que je suis de Bourgogne en plus, donc ça tombe très bien. C'est un plat que je fais assez souvent, donc... C'est ça qui m'arrange, je pense. Ouais, je vais prendre le bœuf bourguignon, ouais. En soupe, t'as le droit soit une soupe froide de potiron ou une soupe chaude d'un bouillon de légumes. Alors, si c'est le potiron du Japon, j'ai bien envie de prendre ça parce qu'il est très bon. Alors ça, c'est curieux parce qu'il fait comme en France, il note tout sur un papier. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu au Japon qui notait sur des papiers. Ah oui? Non, parce que oui, mais souvent, ils vous commandaient à une borne et tout ça. Là, il prend son vin blanc, vin rouge sans alcool. Du vin blanc et du vin rouge sans alcool. Ouais. Oui, au Japon, on ne peut pas conduire avec Mais c'est vachement bien, ça. Regardez. Alors ça, c'est la première fois que j'en prends. C'est génial, ça. En France, le vin sans alcool, mais ça n'existe pas, quoi. La bière sans alcool, mais alors le vin sans alcool, non, mais j'ai... Tu verras si le goût change, tiens, d'ailleurs. Ouais. Bah oui, tiens, oui, ça va être très bien, je vais savoir si le goût change. Mais alors franchement, là, le vin sans alcool... Ah bah alors là, je vais rentrer en France, puis je vais lui dire, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut faire du vin sans alcool. Aussi, d'ailleurs. Je trouve ça génial. Puis en plus, ici, l'alcool n'est pas du tout autorisé. Chez nous, oui. Oh. Ça m'étonne pas, le Japon, il est tellement guidé, de toute façon, que... Ça m'étonne pas, exactement. Nous, c'est une bière, une bière, je pense, ou un verre de vin, ou une bière. Ah, c'est le verre d'eau, ça. Ah, ok. Arigato gozaimasu.
ってちなみにどこのものですか？今日はベルギーです。ベルギー、はい、はい、白ワインもベルギー。そうです。Belge. J'aime plus le vin belge, non. Je savais même pas qu'il y avait du vin en Belgique. Apparemment, en Belgique, ils font du vin sans alcool, du coup. Bah ouais, bah écoute, voilà. Oh, la France est juste à côté, il ferait bien de s'y intéresser un peu plus. Zéro. Alors là, papa, il va pas en revenir quand je lui dis, il y a du vin sans alcool au Japon. Tu peux en boire autant que tu veux, tu peux siffler la bouteille, c'est pareil. C'est bien. Je trouve ça bien. Waouh. Je veux dire, à la vue, on dirait du vin. Ouais. À la vue, tu dirais du vin. Le serveur, c'est comme en France. Hein, à droite. Ouais, ouais. Il essuie même le haut de la bouteille. Ah, c'est le service français, ça. Exactement. Allez, gâteau, pas ça. C'est 50 ans qu'il travaille dans le restaurant, le poteau-feu, ce monsieur. Il n'y a pas un seul chef qui a étudié la cuisine en France. Ils ont tous appris ici. C'est beau, une... Ah, ça sent le vin. C'est normal, c'est du vin. Oui, mais... On y va ? On y va. Ça sent qu'il n'y a pas l'alcool. T'as un peu l'acidité du vin et du vin, sans avoir le chauffant de l'alcool. Ben pour moi c'est bien, c'est ça que je devrais avoir à la maison, qui ne boit pas d'alcool. En fait, le restaurant ici, c'est un restaurant français, mais qui n'utilise que des ingrédients de la région. C'est pour ça que j'aime bien, parce qu'en fait, c'est vraiment circuit court. Tu vois. Là, vous êtes déjà venu? Moi, j'y vais tout le temps, c'est pour ça que je viens là. Ce restaurant français, vous êtes déjà venu? Bah oui, j'y vais, ils me connaissent bien, hein, j'y vais à chaque fois. Oui, vous connaissez. D'accord. そう、私たちフランス人なのに毎回あのフォークの違いがわからないんですね。違いを教えていただけます。En fait, tu vas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, c'est entrée, soupe, plat principal. Ok. Il y a pas de pain, c'est normal? Il va venir. Ah, parce que j'allais dire dans un restaurant français, il y a le pain et là, je le voyais pas. Vous avez l'habitude de restaurants raffinés alors. Non mais ici, viens... Non mais attends, t'as pas encore trouvé. Tu verras. Mange, tu verras. Ouais. On est au Japon, c'est un restaurant français, mais t'as pas envie de... Ça, il faut bien de le prendre, les Français. Le Japon, c'est un pays vraiment où tout est très propre. Une propreté exemplaire. Alors, en France, on dit bon appétit. Alors, je ne sais pas si je dois dire bon appétit ou itadakimasu. Bon appétit. Oh, yum. Je pense que ce n'est pas très bon. J'aurais jamais cru que je viendrais dans un restaurant gastronomique au Japon, tu vois. Français au Japon. Boire du vin, j'apprécie beaucoup. Parce que en France, je ne bois pas d'alcool, très peu. Et là, je peux manger en fait un repas avec l'impression de boire du vin, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas d'alcool. Sans alcool, c'est super bon. I love that! Magnifique. Alors. Oh, elle est bien consistante. Oh, beautiful soup. Ah, c'est bon. C'est excellent. On ressent bien le goût du potiron. Waouh. Hein? Mais elle a un léger goût de potiron français. Hein. Mais justement, c'est le potiron français que je retrouve là. On est d'accord, moi aussi. J'arrive pas à retrouver le goût du potiron japonais que j'ai mangé ces derniers temps. このかぼちゃのスープって日本のかぼちゃで作られてるのか。日本ですか。すごいフランスのかぼちゃの香りします。でも全然違うんですね、フランスと日本普通は。
incroyable. On retrouve vraiment les saveurs françaises avec des produits de la région. Encore impressionnée. Là. J'ai jamais mangé de soupe froide de ma vie et je trouve en fait que ça va très bien. J'ai jamais mangé de soupe d'été et tout, c'est trop bon. Ah, pain. Pain. Ah, le fameux pain français. Avec le beurre. Avec le beurre. Wow. C'est excellent. Red. Oui. Il est chaud. Oh. Français. Ça croustille comme en France. France のパンってさ、こういう時さ、冷たいよ。冷たい。日本はこういうのあったかい。Sommes-nous au Japon? Crispy. Sommes-nous au Japon ou sommes-nous en France? Parce que là, c'est. C'est la perfection. Le pain? Ah oui. Avec le beurre? Ah oui. On est d'accord. Ah oui, oui. Je ne rangerai rien, juste le beurre et le pain, ça me serait suffi. Ah non, non, mais là, c'est la perfection. Je suis en France. Si j'avais pas les inscriptions japonaises sur les. Ce que je vois à l'extérieur, je penserais que je suis en France. Mmh. C'est une excellente idée que vous avez eue de m'emmener ici aujourd'hui. Ça, attends, par contre, pas le plat principal. Ah, bœuf bourguignon, je veux bien goûter. Ah, ありがとうございます。これでございます。そうなの。マダイ。特別に準備したんですよ。今一番美味しい。マダイ。やった。一番美味しいです。お肉は山形で。山形で。お肉。Mis à mariner pendant 7 heures. これはメロンコ。メロン。ビーフ。メロン。メロン。果物フルーツ。メロン。c'est du melon. c'est du melon. メロン本気サイの。漬物とか漬物、カナフィ漬け。なるほど。Alors déjà, ça a la texture, enfin, au coupé, ça a la texture du bœuf. Very soft. Le bœuf est excellent. Wow. C'est du bœuf de Yamagata en même temps. Ah, il est pas du tout filandreux comme en France et tout. Ils font tout de suite dans la bouche, tu vois. Mm-hmm. On sent que c'est un bœuf de qualité. Tu vois, c'est pas les morceaux où tu as le dur et tout, tu retrouves. Ouais, ouais. C'est hyper tendre. Oh, c'est trop bon. C'est de la sauce au vin blanc. C'est très très bon. C'est le meilleur. J'arrive même plus à parler tellement. J'ai des étoiles plein à la bouche. C'est le meilleur bœuf bourguignon de ma vie que j'ai mangé. Ah, je te dis qu'il est excellent aussi. Ouais, vraiment. Faut venir à 10 000 km de la France, de Paris, pour trouver un bœuf bourguignon d'une qualité exceptionnelle. Est-ce que tu arrives à croire que ce monsieur, quand même, n'a même pas étudié en France? Non, je ne sais pas comment il a fait, mais il a dû être très motivé pour apprendre à cuisiner français. Bah, c'est surtout qu'en fait, les Japonais sont très, 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 très perfectionnistes, surtout. Ouais. Et donc, je pense que même si le goût doit pas lui plaire, il a dû s'entraîner un max pour le chef. Mais il compte pas leurs heures pour réussir non, quelque chose. Ouais. Je pense qu'il a dû s'entraîner vraiment beaucoup. Quoi. Il n'y a même pas un. Il se coupe tout seul. Non mais t'as vu Gail, il le coupe tout seul. Oh, very soft. Oh. Yum. Oh, c'est excellent. Ah, d'accord, je prends jamais de poisson au restaurant, je prends tout le temps la viande. Mais là, j'ai bien fait de poêler un poisson, je pense. Tendre que la viande, ça je sais pas où ils trouvent leurs morceaux, mais en fait, tu le mets en bouche, t'as même pas à mordre, ça glisse tout seul. Et là, mais tu peux pas faire ça tout le temps, c'est la qualité, c'est incroyable. Mmh. La sauce, elle est excellente. Un peu ce que l'ingrédient dans la sauce. C'est oishi, tout ce qui est oishi d'ailleurs. Oishi, c'est un peu comme on dirait de la crème la viande en fait, tu vois, quand tu la mets dans la bouche. Ah, puis on a plusieurs fois du pain. Moi je n'osais pas le manger, je croyais qu'on en avait plus. Arigato gozaimasu. Et on est dans une bourgade ici, hein. Dans une bourgade, c'est encore super bon quoi. Oui. T'es pas à Tokyo, hein. Oui. Mais c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure, un Français qui ferait un restaurant japonais de qualité japonaise, je crois pas que ça existe. En France. Au final, je veux dire, le concours du monde de pâtisserie, c'est les Japonais qui l'ont gagné, c'est pas les Français. Même en pâtisserie, c'est un truc français. C'est un Japonais qui a gagné, oui, je sais. C'est super. Parce qu'ils ont le souci du détail et de bien faire. On s'arrête pas en plein milieu. Un tout de haut cas, c'est Niki, t'as vu le nez d'un. Il peut l'acheter pour moi. Oh, arigato gozaimasu, kunegu, il est qui m'a
Mais je ne sais pas si c'est japonais ou français ça. Des ça ressemble au service français. Oshare d'ailleurs. T'as déjà vu du jus de fruits dans un... Une flûte à champagne. Regarde la tasse à thé. Waouh. Kore maji de kirei. Kore maji de kirei. Très joli. Konna kirei na ocha cup de mainichi no midai. On se croit en Angleterre à Londres. Ouais. Autant des rois là. Crème brûlée français. Les crèmes brûlées, ça n'existe pas au Japon. Si, si. Ah. Kobashi kaori ga. Yeah. Tu manges un gâteau devant un feu de bois. Mmh. On se croirait devant un feu de bois en fait. C'est beau, bonne. Ouais, exact. C'est très beau. C'est une table. Beautiful view. Wow, very clean place. Quel est le prix d'un menu par personne? Et quel prix ça aurait été en France pour une qualité comme ça? Ah ben alors moi je vais donner le prix en France que on paierait un menu comme ça. Je dirais 200-250 euros. Par personne? 250 euros personne, each person? Par personne. Ouais. Per person? Au moins. Kroku Lyori, d'ailleurs, fait un stato. En euros, ça fait 15 euros par personne. Hein? Waouh! 15 euros? Ouais. 15 euros. C'est 15 par personne. Tu comprends pourquoi moi j'y vais souvent en fait? Ah oui, je comprends mieux. Je disais, mais ils vont souvent, mais j'ai dit, ils ont peut-être un peu. Enfin bon, ça me regarde. Prendre le bœuf bourguignon. C'est 5 euros supplémentaires. Enfin, qu'est-ce que c'est, 5 euros? Ah bah en France, on a au moins pour 200 euros. Hein. Tu comprends pourquoi j'ai halluciné quand j'ai vu le tarif? J'ai fait, attends, on est dans un truc limite de luxe pour des Français. Hein. Oh, on est dans un truc limite de luxe, ah, et ça coûte du luxe. Ça... J'en reviens pas. T'es sûr que tu ne gourres pas? Non. Bah non, non. Ok, bah, j'en reviens pas. Alors là, bravo. Hein. C'est... J'arrive même pas à savoir comment il peut... 15 euros avec une qualité pareille. Parce que c'est des trucs locaux, déjà. Ah ouais. C'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est... Je ne sais même pas comment le dire. C'est bien parce que ça permet aux Japonais de goûter des saveurs de France. Gochi so sama deshita. Hai, minasan, saiko made gochisou itadaki, arigatou gozaimashita. Dewa, tsugi no dougai, oishimashou. Bye bye. Bye bye, merci. Et adresse à retenir. Le pot-au-feu. Sakata. Thank you so much for this interesting video, Bonsoir TV. What surprised me a lot is the price difference. The mother said in France it could be around 200 to 250 euros, but in Japan it only cost them 15 euros per person. Wow. That's a lot difference in the price, right? Considering the quality of the ingredients, the food they served, beautiful place, beautiful restaurant. Did I understand it right? 15 euros per person? That's so cheap! That's why some foreigners really say Japan is cheaper than their home country. Anyway, I love the bond between this mother and daughter, of course, to her son-in-law. Beautiful family. Well, it's really so surprising and at the same time, delicious food. I love the dessert. I love the beef. I love the soup. Everything they had. Well, anyway, thank you so much to Bonsoir TV. I had fun watching this video. And guys, thank you also for watching with me. I'll see you very soon.